à peu près tout ce que je peux vous dire. Le seigneur Archon est un grand arbre. Je garde la porte. Attends, elle dit passer devant moi, mais c'est moi qui passe devant elle, donc c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre tout cela, mais Skyrim est très bien. Les premières impressions, 20€, c'est cher, très cher. Mais bon... Oh oh. Comment osez-vous poser le pied ici? Attendez. C'est non, c'est son... C'est bien vous? Je n'en crois pas mes yeux. Voilà. Seigneur, écoutez. T'as un colis de chien. Serana est de retour. On m'a... Ça, c'est trop bien. Attends, je vais voir si je l'aime, moi. Colis de chien, moi. Elle a... Attends, elle a le collier. J'arrive pas à y croire. Ma fille est enfin revenue. Tu as sans doute mon parchemin des anciens. Après toutes ces années, c'est la première chose que tu me demandes. Oui, j'ai bien le parchemin. Évidemment elle que a je le parchemin. Suis très heureux de te revoir, ma fille. C'est Dracula. Est-il vraiment nécessaire de le mentionner? Ah, si ta traîtresse de mère était ici, je l'aurais autorisé à assister à cette réunion avant de planter sa tête sur une pique. C'est bon, c'est bon. Dis-moi, qui est cet étranger que tu as conduit jusqu'ici? Voici mon sauveur. Voilà, peu de respect. C'est lui qui m'a libéré. Vous avez ma gratitude pour m'avoir ramené ma fille. Dites-moi, quel est votre nom? Oui, donc j'ai mis un autre nom. Je suis Archon, le seigneur de cette cour. Ma fille vous a sûrement déjà révélé notre véritable nature. Vous avez peut-être tort. Je compte parmi les membres de ma cour certains des vampires anciens et les plus puissants de bord de ciel. Nous avons vécu ici pendant des siècles à l'égard de tout. Mais notre paix a été troublée lorsque ma femme m'a trahi. Oh, il a et une cape. M'a volé tout ce cape. Que j'avais de plus précieux. J'ai pas vu la cape tout de suite, mais là je me dis... Bizarre, il a une cape. Oh, j'ai trop envie d'avoir la cape. Vous m'avez rendu un grand service. C'est toujours de récompense ? Vous méritez une récompense. Je ne peux offrir qu'un seul cadeau dont la valeur soit égale à celle du parchemin des anciens et de ma fille. Je vous offre mon sang. Acceptez, et vous serez un lion parmi les agneaux. Les hommes trembleront à votre approche, et vous ne craindrez plus jamais la mort. Oui, j'ai reconnu votre odeur particulière. Le pouvoir de mon sang vous purgera et vous régénérera. Je vous bannirai de ce château. Exceptionnellement, j'épargnerai votre vie, mais après cela, vous ne serez plus qu'une proie. Peut-être dois-je vous convaincre. Contemplez ma puissance. Pouvoir que je vous offre. Faites votre choix. Là, je sais pas vraiment si ça influence. Je suis sûr que ça influence, mais bon, je sais pas si j'accepte pas. J'ai pas envie d'accepter en fait. J'accepte pas. Très bien. Tu es une proie, comme tous les mortels. Je te bannis. J'ai choisi mon camp. Ah, j'arrive plus à voir. Ah, je suis pourri. Merde, à l'arbine. Merde.
Elle est là. Je suis toujours là. Allez-y, je monte la garde. Pouvons-nous y aller? Ouais, c'est bon, je... C'est-à-dire? Quoi? Quoi? Tu te fous, méga? Non, c'est impossible. Oh bah fuck you. Non, c'est impossible. D'accord. D'accord. Non, c'est impossible. Bon, maintenant, j'ai quoi faire? C'est-à-dire qu'en fait, je suis un peu un traître. La meuf, je l'ai sauvée, mais... What the fuck? C'est vrai que les châteaux sont très éloignés l'un de l'autre et sont carrément across the map. En fait, c'est carrément le jour et la nuit. C'est vrai que j'ai... Ça veut pas aller plus loin. J'adore le mec, je vous offre mon sang. C'était tellement loin les deux points qu'il fallait que je fasse une escale. C'est vrai que c'est les doigts les ponts les plus loin. Donc ah oui, lapin. Je peux dire un lapin. Oui, c'est un lapin. C'est un lièvre. C'est mignon. C'est marrant, il y avait moins. J'ai oublié. Ah. Il y a un succès qui s'appelle Massacre de lapin, j'ai bien. Fuck. Oh, comme c'est trop bien. Bon, je m'amuse, hein. Je couperai tout ça au montage. Non, je couperai pas, mais... Ça veut dire que j'aurais du montage à faire, mais comme jamais j'en ai vu. Une fille? J'espère que les vampires tenteront une attaque ici même. Ce serait beaucoup plus facile donc que de les traquer dans leur repère. Nous attaquer et qu'on se fasse tout éclater. Car ils sont puissants quand même. Oh non, l'India elle a bugué. Enfin. Sortirez d'ici les pieds devant. C'est pas mieux, hein? Parfait, fais-nous les mecs. Regardez-moi ça. J'aurais dû me douter qu'ils nous trouveraient tôt ou tard. Voilà ce qui se passe quand on recrute ouvertement. Nous allons devoir renforcer nos défenses. Dites-moi que vous m'apportez de bonnes nouvelles. J'aurais dû m'en douter. Allez-y, dites-moi ce que vous savez. Une femme? Piégée là-dedans? Ça n'a aucun sens. Qui est-ce? Et où est-elle? Et vous l'avez conduite directement à eux. Pardon? Et vous ne les avez pas arrêtés? 50 000. Vous n'avez pas récupéré le parchemin? Je vois. Donc ils ont 7 femmes j'en ai un aussi, et un hein, parchemin des anciens.
par les divins. Ça pourrait difficilement être pire. J'en ai un, Bolos. Nous sommes j'en complètement ai un. Dépassés. Je sens que lui, il va mourir, ça va être moi à la tête. Je sais, merci. Si. Je suis vieux, mais pas encore sénile. Nous allons avoir besoin d'aide. Je les ai peut-être sous-estimés s'ils osent venir jusqu'ici pour nous attaquer. J'ai des hommes compétents, mais... Je me suis créé différents contacts au fil des années. Nous allons avoir besoin de leurs talents pour surmonter cette crise. Trouvez-les. Peut-être. Et nous aurons peut-être une chance de survivre. Vous allez droit au but. Pas comme ces idiots de l'ordre. Ça me plaît. Inutile de rassembler trop de monde. On risque d'attirer l'attention si on est trop nombreux. Sorin Jurard devrait nous être utile. C'est une bretonne aussi intelligente qu'habile de ses mains. Elle se fascine pour les Dwemer, leurs armes en particulier. Aux dernières nouvelles, elle explorait la crevasse dans l'espoir d'y découvrir de vastes ruines naines. Probablement, mais il va falloir la convaincre. Vous allez aussi devoir trouver Gunmar. Cette grosse brute de Nordique déteste les vampires presque autant que moi. Il s'est mis en tête que son expérience avec les animaux pourrait être un atout. Oh là là. Avec les trolls surtout, d'après ce qu'on m'a dit. Aux dernières nouvelles, il parcourait bord de ciel en quête d'autres bêtes à dompter. Ramenez-les ici tous les deux, et nous pourrons enfin concevoir un plan. À lui, on le traîne en armure lourde. Qu'est-ce que c'est, le mec? Il n'y a qu'une chose que vous devriez garder à l'esprit. Si vous affrontez des vampires, la moindre imprudence vous sera fatale. Et par votre faute, des gens mourront. Si je suis encore en vie après tout ce temps, c'est que je ne laisse rien au hasard. Bah, c'est mieux. Je couvre mes traces et je garde les yeux ouverts. Quel est ce temps ? Faites de même. Avez-vous vraiment besoin de le demander? C'est une bande d'incapables. J'avoue. Ils n'ont jamais été prêts à affronter une véritable menace. Dire qu'ils se moquaient de moi parce que je tenais à être prévoyant. J'allais trop loin d'après eux. Et regardez où leur insouciance les a menés. C'est sûr, on les voit plus, ils sont tous morts. Je ne les vois plus rire de d'ailleurs, moi. D'ailleurs, je suis allé leur repère, juste pour y aller, à pied. Restez sur vos gardes. Juste pour y aller à pied, comme ça, en... demandant que dalle. Et ben c'était trop violent ce que j'ai... Non, je déconne, mais c'est vrai que ils s'étaient fait massacrer par des vampires, les vigiles. Donc juste sur ce chemin, hein, pas chez eux, hein. Les vampires sont arrivés, coucou, c'est moi que v'là, et ils les avaient quittés. Donc moi j'aime pas trop les vampires, je sais qu'il y en a beaucoup. Sans doute que je connais, ils vont dire ouais, ça va être cool, plus de puissance. Moi de la puissance j'en ai. Putain, connard. J'en ai déjà pas mal. Ah bah. Voilà. C'est revenu. C'est parce que c'est quand je filme, je sais que. Et puis les graphismes sont mieux, hein. Hey, Sharon. Il était beau. Donne-moi ta puissance, vite fait. Ça pourrait servir parce que je crois que je l'ai pas. Mais je crois que Ella, elle était piégée dans le château. Oh, c'est vraiment trop. Je sais pas, j'essaierai de la débloquer.
j'irai te chercher où elle est juste après. Donc là c'est tout droit. Non, c'est derrière moi. Heureusement je regarde. Ah! Nous gambadons dans les prés. Donc je pense que je vais chercher les deux types. Enfin, un mec et une femme. Et j'arrêterai là aujourd'hui. Je pense que pas trop en faire. J'ai pas envie. Ouh, violent.